votre fiancé qui est ici présent pour votre légitimité. Monsieur Ducat, voulez-vous prendre voisin votre fiancé qui est ici présent pour votre légitime époux? Maintenant, joignez vos mains ensemble en vous regardant bien dans les yeux. Voisin, voulez-vous répéter ces vœux à Jessica? Je veux vivre avec toi tel que tu es. Je t'ai choisi pour partager ma vie. Je te promets de te chérir et de t'aimer tendrement, de t'encourager à t'exprimer à travers les défis de la vie. Et maintenant, Jessica, voulez-vous répéter ces vœux à Wendell? Je veux vivre avec toi tel que tu es. Je t'ai choisi pour partager ma vie. Je te promets de te chérir et de t'aimer tendrement, de t'encourager à t'exprimer à travers les défis de la vie. Maintenant, je vais vous lire les symboliques des alliances. Les anciens Égyptiens offraient et plaçaient un anneau de mariage sur l'annulaire de la main gauche, croyant que dans ce doigt, une veine était reliée directement au cœur. Ces anneaux, fabriqués d'un métal inaltérable et précieux, et leur forme ronde sans début ni fin, symbolisaient un mariage de longue durée, riche d'amour pour l'époux puis le porteur. Et maintenant, nous allons inviter Ryan à bien vouloir apporter les alliances. Wisdom, quel gage de votre amour avez-vous apporté? Cette alliance représente un magnifique symbole des liens du mariage. Voici le symbole de l'amour entre mari et femme. Que l'Esprit universel bénisse cette alliance. Que celui qui la donne, celle qui la porte, demeure toujours dans ton amour. Qu'ils vivent ensemble dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Veuillez mettre cette alliance au doigt de Jessica et répéter après moi. En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. Jessica, je te donne cette alliance, symbole de notre grand amour. Cynthia, quel gage de votre amour avez-vous apporté? Cette alliance représente un magnifique symbole des liens du mariage. Voici le symbole de l'amour entre femme et mari. Que l'Esprit universel bénisse cette alliance. Que celle qui la donne, celui qui la porte, demeure toujours dans ton amour. Qu'ils vivent ensemble dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Veuillez mettre cette alliance au doigt de vos âmes et répétez après moi. En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. Voisin, je te donne cette alliance, symbole de notre grand amour. Chacun doit l'inventer pour soi. Il ne peut y avoir deux modèles. Chacun est soi, chacun est celui.
Aimer, ça va être quoi? Partager des mots, des regards, des espoirs, des écrits. L'amour, c'est réussir à donner à l'autre confiance en lui. L'amour, ce n'est pas seulement un miracle, mais une rencontre, des jours après jours. Jessica, oui. Et là, vous pouvez vous en passer. Que l'Esprit universel bénisse votre union. Nous te demandons de donner à Jessica et Wissam ta force, ton intuition, ta paix, ta joie. Que votre présence dans ce beau cercle d'amour, entouré de vos parents et amis, soutienne votre engagement. Comme bénédiction spéciale, laissez-moi vous lire ces lignes d'une ancienne cérémonie amérindienne du mariage. Maintenant, vous ne sentirez plus la foi, car vous deviendrez un abri l'un pour l'autre. Vous ne sentirez plus la foi, car vous vous réchaufferez une jeune. Vous ne serez plus seul. Là où il y avait deux vies, il n'y en a qu'une même. Allez votre chemin, commencez votre vie nouvelle, puisse vos jours être beaux et heureux ensemble. C'est un privilège de m'adresser à vous et de vous offrir cette minute. Dans le langage des fleurs, la rose rouge symbolise l'amour. Je vous demanderai maintenant de bien vouloir échanger vos roses. Par cet échange, vous vous êtes donné l'un à l'autre cette belle marque d'amour. Prévoyez dans votre foyer un endroit spécial où vous garderez une rose rouge. À chacun de vos anniversaires, en vous offrant une rose, vous vous rappellerez votre engagement. Jessica, cousin. Vos âmes sont maintenant libres. Puissiez-vous grandir dans cette unité. Que votre foyer soit un havre de paix pour tous. Que votre mariage soit un témoignage de la beauté de la création. Allez maintenant. Que l'Esprit universel soit toujours avec vous et qu'il bénisse vos vies et vos futurs projets. Nous allons maintenant passer à la signature des registres et nous invitons M. Pierre Delorme et M. Chamil Etchenden a bien vouloir se joindre. Ouais, c'est le plus haut.